contre bandio, ça va faire ni chaud ni fret. Il y a pas possible avec ces kidnapping pendant week-end non. En pile zak kidnapping fait pendant week-end. Jodi en blaise en pile moun victime kidnapping individu exam kidnapping Paola Trona sac ménager dans zone Crissoa Jean individu armé kidnappé Paola Trona sac ménager Fegen c'est Joseph dans zone Crissoa nèg exam moun pa arrivé identifié kidnappé jour qui était vendredi 8 octobre là à 8h45 dans la soirée et puis c'est dans zone Crissoa Bomé Marianne selon ça un proche dans victime yo fait connait proche a expliqué pour dit victime yo te sorti Pétionville, yo te évité zone Delma 95 qui te gen des ordres à cause arrestation Tigreg. Yo te obligé à aller passer par Boudon pour capable aller Delma 31, rive zone Bomean, qui soit individu kidnappé vers 8h45 yo. Individu yo mandé deux gros sommes l'argent pour victime yo ta jeune libération yo, yo montant en goud ak yon lot ki en dollar. Poche la qui révélé nous moment te mandé à rédaction pour pas communiquer le même genre pile l'autre proche victime consulté ça tout après Zak kidnapping ça selon témoignage proche Paola Tronas ak Fegens Joseph yo parlé à Kyo depuis samedi matin c'est depuis les ça tout yo gen nouvelle yo pour connait affirmer souhaité joindre libération Paola Tronas ak Fegens Joseph parce que l'agent ça ravissait au mandat yo pour connait côté yo après joni c'est pas celle deux moun ça qui victime Zak kidnapping que l'autre Zak kidnapping tout qui fait pendant week-end gagné body kidnappé samedi en tout madame docteur Jefferson Paul cap travail dans MSPP ça passé dans rue Macadieu Delma 40B kidnappé demandé $250,000 pour libérer d'après quelques témoins kidnappé au Tabia qui uniforme la police n'a toujours été dans question qui Zak kidnapping qui fait pendant week-end après attaque que était fait nèg exam était fait contre première église baptiste rue de la Réunion dans la qui était 26 septembre 2021 côté Jack Sinelafa était basé la Vili et bien était kidnappé madame lui même par la suite pendant semaine d'après lagué madame Jack Sinelafa mais nous songez tout bandit qui était kidnappé pasteur Jean-Marie Ferré Michel avec des lots fidèles dans l'église à 18 centre Delma 29 et qui jusqu'à présent qui nan main ravisseyo mais nous apprenons tout individu armé qui gen gros âme nan meyo kidnappé samedi qui était 9 octobre dans la Kali et dans la plaine dans pasteur Elodor Devaris bien pasteur Elodor Devaris lui-même qui a dirigé l'église méthodiste libre et que tout le monde connaît sous nom pas qu'un chrétien l'église qui trouvait dans Delma 28B zone bois tribunal de paix et zone Carrefour aéroport zone Delma côté ravisseur déjà demandé gros somme l'argent avec famille et pasteur Elodor pour capable libérer lui c'est ça une information lui-même lui est confirmé malgré que autorité concernée annoncé la question et opération marché prend yo ça pas fait bandio ni chou ni fret yo continue à kidnapper moun en de pays en situation ça qui baille en pile qu'est sauté nous apprenons tout pendant week-end non tout gagnant jeune demoiselle ça qui est bandit kidnappé qui c'est Merceline Aimable qui c'est membre de l'église paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce sous ce sol qui est bandit kidnappé le vendredi qui était 8 octobre 2021 dans un niveau matissant ravisseur qui m'a dit $600,000 américains pour capable libérer Merceline Aimable les mêmes tout qui c'est étudiant en faculté de droit et Port-au-Prince et qui c'est membre paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce sous ce sol bandit kidnappé pendant week-end. Za kidnapping yo qui est pas suspend augmenté chaque jour en dans pays. Et n'a prêté dans même question insécurité, ce que ça qui est pour avec la question ressortissant que gain quelques jours là, gain plusieurs ressortissants que mais yo au pas ouais. Haïti sécurité disparition des ressortissants étrangers depuis la date qui était 6 octobre passé à Joël Pineda et Luis Diaz, deux chauffeurs dominicains que jusqu'à depuis 6 octobre, y a cherché pas jamais capable yo, c'est ça journal dominicain Listen Diario lui-même n'est rapporté. Président de la Fédération nationale de transport dominicain Ricardo de los Santos a confirmé information ça vendredi avec divers médias dans le pays d'Haïti. Depuis nouvelle ça que autorité dominicaine eux-mêmes a cherché coucher fou de ressortir dominicain ça Joël Pineda à Calus Adias que yo porté disparaître yo pas jamais depuis plusieurs jours. Président Fenatra Doa lui-même
a caché inquiétude dit face avec disparition de ressortissants dominicains sa yo. Ricardo de los Santos a souligné que situation ça lui-même aujourd'hui à la qui Haïti a fait question sécurité à cap congé sud haïtienne non les gros impact sur divers ressortissants parmi yo ressortissants dominicains. C'est ça comme information non en question insécurité qui passe suspend quand j'arrête en deux pays pendant tout week-end non. N'a venu toi avec information ça concernant ça qui passe pendant week-end non. Non, qu'est-ce qu'on fait? Nous t'ai dû parler avec l'exécutif intérimaire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Nous, pour qu'on montre en contact ensemble avec lui, mais nous avons toujours venu avec lui pendant le journal là. Mais entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 4 personnes qui perdent la vie et plusieurs autres sont blessés. Non, il y a un cas qui est passé en bas gros flamme diffé dans la nuit qui était jeudi 7 pour le vendredi 18 octobre 2021. Côté dans la zone Rezankou, dans la commune Kenskoff, côté habitant dans la zone, il y a un jeune tout le monde, son groupe, jeune garçon qui armé qui est à commettre Zaksa. J'en dis à la prisonnière armée, Yosimé la Toulba et la terreur dans la nuit qui était 7 pour le vendredi 18 octobre passé dans la localité Rezankou dans la commune Kenskoff qui trouvait dans le département de l'Ouest pays et d'Haïti. Pour plus petit, 4 monde ont perdu la vie et plusieurs autres sont sortis blessés. Parmi moun, ça nous joigne un peintre qui c'est Jacob Tebo qui est parmi moun qui mourit. Attaque ça qui fait là, selon Jean Mouniodia, c'est un groupe nèg armé qui t'a sorti dans la localité qui est les Des Chapelles dans en commune Kenskoff. Une dizaine caille tout passé en bas gros flamme difé gon ti fillette qui gagne 12 l'année qui parmi moun qui blessé yo et qui t'a transféré rapide de presto dans l'hôpital. La population dans zone ça yo même qui obligé quitter zone là et qui mandé secou autorité policière pour capable garder dans quel niveau yo capable battre contre nèg armé sans cabaye problème dans zone ci là depuis quelques temps. N'a toujours été une information question sécurité que autorité policière même qui présentait bilan travail la police en fait pendant jour passé. Oui, porte-parole PNH Marie-Michel Veille qui présentait bilan opération marché préau ak boucle Port-au-Prince la police menée sorti 1er septembre pour 7 octobre. C'est en total 27 opérations ciblées la police menée dans diverses régions dans pays parmi 12 dans l'ouest, 825 individus jeunes arrestation pour divers chefs d'accusation en tant que vol, viol, association malfecté, kidnapping, trafic zamak drogue. Pas d'opération ça, la police a stoppé 20 autres individus, 29 zam saisi, 5.25 kg cocaïne ak 249.91 kg iguana saisi, d'après Marie-Michel Verrier qui était dans Mikou José Belamou. Pendant période ça, la police mène 27 opérations ciblées sorti 1er septembre pour arriver 7 octobre 2021. Opération Sayo, il y a 12 qui fait dans l'ouest, 2 dans Nip, 4 dans le centre, 3 dans le nord, 3 dans l'Artibonite, 2 dans le nord-ouest, 1 dans le Gada. Et 825 arrestations rivées faites, que toute arrestation ça a fait dans tous 10 départements pays pour vol, viol, association de malfaiteurs et kidnapping. Il y a 29 armes qui rivées saisies, il y a 150 véhicules qui confisqués, 37 machines, 110 motocyclettes, 3 camions. Il y a 20 individus qui stoppés. Il y a 5.25 kg de cocaïne et 249.91 kg de marijuana que DCPJ à travers l'unité libérale TS s'est arrivé saisi. La police arrivait aider 354 camions citernes remplis de carburant qui étaient vareux pour aller dans plusieurs pompes à essence. C'était pour période 2 octobre, arrivé 6 octobre. Quatre kidnappings ont baissé considérablement par rapport à l'opération qui était lancée par commandant en chef là, dans la police là, côté l'été lancé opération qui était relée barricade Port-au-Prince. Suite à l'opération bouclé Port-au-Prince, sorti dimanche 26 septembre, arrivé mardi 7 octobre, PNH enregistré seulement 8 cas kidnappings. La police nationale présente présumé chef gang Ernst Julme alias Tigreg qui t'a opéré dans Delma 95. Yon ancien policier ensemble avec un autre individu qui était jeune arrestation. J'ai dit passé à la zone ancien cimetière Pétionville, non checkpoint. La police jeune dans machine sa yon zam ak plusieurs cartouches. Fok nous dit présumé chef gang Tigreg t'est décomposé dans le moment la police t'a présenté là. Yon t'est obligé de faire appel à un médecin pour venir bal soin cal nécessité. Écoutez toujours porte-parole PNH inspecteur Marie-Michel Verrier, toujours dans le micro, José Belamour. Hier, qui était 7 octobre 2021, dans le cadre d'une opération qui baptisait Boucler Port-au-Prince et Marché Prenyo, toutes les opérations sont en cours, il y a une équipe Boyd dans un checkpoint.
mettez main sous deux individus qui c'est Jules May Ernst alias Tigre et Lubin Junior Ridge. De M. Sayo, équipe Boydland rivait procéder avec arrestation à bord d'un véhicule sans plaque de marque Acura de couleur bleue dans zone Pétionville, tout près, ancien cimetière Pétionville. Il y a plusieurs accusations qui pesaient contre Mounsayo. La police s'est joint un pistolet 9 mm à bord de véhicule Sahara et l'autre munition, un projectile pour calibre 12 et 762. Et la police arrive à procéder à l'arrestation pour qu'on y a l'INA de CPJ qui était se présenté nous là. Libre à répondre à question de CPJ sur toute accusation qui pesait contre lui. C'était un membre de la police nationale d'Haïti, mais c'est un monde qui était abandonné pour lui et qui était trouvé dans leur action. Et par rapport à la situation, ça, il était trouvé par l'institution encore. Et voilà l'autre information dans le journal Méga Matin. Avant même nous avancer avec l'autre situation et déportation compatriote haïtienne, nous allons venir avec DGAI la police qui c'est Léon Charles, lui-même tout qui était dans quatre conférences qui était placé Mopal. Directeur général PNH Léon Charles démenti information qui fait quoi la police a reçu voix pression pour libérer présumé chef gang Ernst Julme alias Tigre. Léon Charles fait connait coulier à la police gain contrôle gang Amessa pendant le renouveler détermination pour traquer tout un groupe armé qui a fait la loi dans le pays et puis reprendre contrôle tout un commissariat antenne PNH Negaxam qui a attaqué le mois juillet passé en côté Léon Charles Namiko, José Bellamou. Il traduit détermination de la police pour continuer de travailler qui c'est traquer bandits, rechercher tout le monde qui a commis infraction et tout type de crime qui a commis sur le territoire. Ou Tigre, pas de pression. Pas de pression. PNH n'a pas travaillé sous pression. Les pressions dans la rue, il y a un peu de critique, nous voulons être professionnels. C'est une gang que la police a décontrôlé les gouvernements. Nous, si Abraham Monté était en recherche, mandat de l'ELI, la police judiciaire fait travailler pour nous mettre par la justice. Absence de la police dans certains lieux de police, commissariat, oui, gros problème pour ça. Et la police a travaillé pour retourner occuper l'espace sale. Absence de la police dans l'espace sale, d'expliquer par toutes sortes de problèmes qui viennent dans le pays. Gagne tous côtés, gagne l'effet de la loi, mais n'a pas de disposition au fur et à mesure pour nous réoccuper l'espace sale. J'en appelle avec tout secteur de la population. Rencontre de travail en fait pour l'État qui déjà prend disposition pour renforcer la capacité de la police. Là. Et puis tout avec des membres du secteur privé qui travaillent avec nous pour en qui mesure nous capables de porter collaboration pour la police à tourner dans la zone de la Cité Soleil, en bas de la ville. Là. Toutes les lignes qui passent Cité Soleil, du Vivier, côté des bandits armés. Au mois de juin, au début du mois de juin, attaquer 5 commissariats de police, tuer 5 policiers, saisir 17 armes. Dans quel objectif? Pour affaiblir la police. Pour y'a qu'à continuer à commettre crime. Malgré frappe nous prenons, sur notre institution, ma travail avec une vie professionnelle, chercher plus de moyens pour nous monter plus d'opérations. Et quel que soit côté sur le territoire, il y a un problème. La police avec approche, avec stratégie que la mettez sous pied, a retourné sur place pour contrôler l'espace, continuer pour appeler. Voilà la déclaration DGA et la police. Léon Charles, le collectif avocat qui a défendu droit Mounio qui exprimait tête chargée au gain devant le phénomène kidnapping dans un de pays. Cadeau, critiquer comportement autorité concernée. L'idée qui plus a plaigné, annoncé mais sans aucune disposition pas prendre pour capable stopper le phénomène ça. Façon kidnapping a pas opéré à qu'à faciliter, prouver qu'il y a certaines autorités qui complissent dans l'action. D'après M. Arnel Rémy, qui exigeait démission du directeur général PNH là, à tout reste l'État. En côté M. Arnel Rémy dans micro Romanès samedi. Parce que leur arrêté, leur bandit a fait kidnapper, c'est grave, c'est grave. Dernier kidnapping qui fait dans l'avenue Charles Sommer et l'avenue Christophe, le docteur là, bah elle a fait sous vidéo, et dit comme si. Et sans live. Oui, l'intimatif. Tout ça, tout va bien, madame la marquise, ça va. Elle dit personne ne bat pas, suivi le fait. Maintenant, on vient de mettre tête dans une situation, on se questionne sur les institutions policières. Parce que le policier, il a peur. Parce que l'arrivée devant nous dit, nous sommes en kidnapping, victime de kidnapping, il encourage au pays, ils sont de peur. Et peur dans qui résulte dans l'impunité, parce qu'on connaît même le temps qu'on est. Peut-être est-ce que c'est des appels téléphoniques de la police, on va dire, tu sais quoi là, faire des gens soient arrêtés à la gueule rapide. Bon, ce qu'on dit, c'est des gros bras. Les deux kidnappings qu'a fait, peut-être pas étonnant, les amènent des gros bras d'elle. Maintenant, il faut continuer de dire tout,
est-ce que pas ta supposé un coup de balai tant que vous en avez un médil en dans quelques institutions parce que présent surtout qu'on permette que kidnapping fait on dit moun kap matériel pour faire kidnapping dans côté aux jeunes ni elle dit j'on dit si un kidnapping qu'a fait Delma 29 et puis pour arriver qu'a fort pour pas une patrouille policière qui entre contrôle machine ça elle dit pas aucun effort qui fait par la police vraiment pour permettre que pour montrer que y a combat kidnapping. Il n'y a pas de voix ensemble organisation politique dans l'opposition. Et dirigeant lui dénonce le phénomène de sécurité généralisée pays a fait face à dernier jour ça. Militant politique exigé démission DG la police Léon Charles. Il dit qu'il est responsable insécurité qui gagne dans la société. Nous pour permettre au côté intervention et dirigeant lui qui a tenant micro Peter Sonblaise qui lui-même tout a réagi sur le phénomène insécurité puisque c'est plusieurs secteurs dans la vie nationale là qui a dénoncé le phénomène insécurité et puis qui a demandé et démission DG à IAPNH en côté dire Jean-Louis. Je dis à nous-mêmes, nous avons des années à parler de insécurité. Bon, il faut que nous devions nous dire insécurité à soi, insécurité d'État. Et aujourd'hui, c'est même groupe Nexaouk là qui a rentré avec ZAM, qui a rentré, qui a mis ZAM dans le quartier populaire. Je dis à côté insécurité ça, personne monde pas épanoui, si monde pas épanoui, grand monde pas épanoui, professeur l'école pas épanoui, pasteur pas épanoui, policier pas épanoui, mais je dis à ça qui fait nous plus mal. Je dis à nous dit la police là là pour servir et protéger. Je dis à notre pays d'Haïti quand on est la police ou d'abord courir parce que je dis à nous même de qu'on a dit son mal nous prend des années n'a dit nous d'abord c'est des uniformes qui a rentré ouais dans tout côté. Elle dit, bon Dieu, soit y a des uniformes que la police. Je dis, c'est ça que fait là, on est à la police, habillé, on est à supposé courir. Bon, Léon Charles qui est là, qui vient dans la tête de la police, comme on ne pas tout d'un coup. Je dis à M. Campé, il croise deux boiles, il ferme les yeux sur tout le monde qui vit là. Je dis à tout le monde mettre mourir, sauf Léon Charles vivre. Je dis à comme nous, dans notre pays, nous avons Ariel Henry qui joue un rôle. Président qui joue le rôle Premier ministre. Je dis à nous-mêmes, dans l'ensemble des partis, des organisations politiques, MOSED, qui est le mouvement des citoyens engagés pour la démocratie, nous disons à Ariel Henry lève pied. Parce que je dis à si Ariel Henry pas lève pied, ça qui vient d'être Ariel là, c'est un tremblement de terre, 9.9, goudou goudou. Je ne vais pas dire sectoriel, parce que si je dis sectoriel, ça peut être traversé, ça peut être traversé, même si c'est d'ailleurs, il ne doit pas. Et voilà, d'un côté, déclaration, une non-propole, ensemble, organisation politique d'opposition, qui c'est Edir Jean-Louis. L'autre point, une actualité, situation compatriote haïtienne, qui, je dis à l'an, pile pays, semble faire mettre tête ensemble pour pimper, voyez, ben, nous, plusieurs compatriotes haïtiens. À côté d'autorités américaines, qui ont voyé plusieurs milliers de compatriotes haïtiens, ben, nous, les autorités et cubaines, tout qui rentrent dans la même réalité, ça. Nous apprenons que samedi, qui était 9 octobre 2021, il y a un gros bateau aux cubains qui déposait yon coupa 350 haïtiens nan port APN nan subi centenaire selon yon employé sou pla ki te li même t'a grand côté ça avec divers médias parmi yo nous même ça la nouvelle radio méga selon yon employé sou pla ki t'a ba information ça citoyen ça yo ki te sou yon ti bateau ki t'a pran direction pays États-Unis mais perdi nan la mer Cuba ça veut dire yo perdi direction yo yal boutio nan la mer Cuba mais autorité cubaine yo décidé pran haïtien ça 350 haïtiens et puis pimpeo voye ba non pa boy site samedi qui était 9 octobre 2021. Toujours dans sa question déportation, gain autorité guatémaltèque qui rivé sauver 126 migrants parmi eux 106 haïtiens qui étaient manqué mourir dans un conteneur, manqué mourir étouffé. Yo rivé sauver grâce à un policier guatémaltèque qui a attendu lorsque t'a prélé dans un conteneur s'il. J'en dédié à tout gain plus passé là 7500 haïtiens qui déjà déportés environ 2 semaines
Paboy site côté autorité a décidé à voyer ban Paboy site plusieurs compatriotes haïtiens. Situation ça qui y commencé ban pile problème bon côté en pile monde qui dit que pas comprendre façon autorité dans divers pays dans monde là a voyer tourner haïtien ban Paboy site. N'avancer toujours dans même dossier ça, il y a un groupe 16 sénateurs américains qui voyons lettre tout l'ouvri by responsable département sécurité intérieure pays États-Unis ensemble avec responsable département d'État pour exprimer déception yo ak indignation yo face à ka mauvais traitement autorité au bay immigrants haïtiens yo sous aux frontières. Parlementaire ça au mandé pour haïtiens qui rivaient sous frontière Texas non joine accès pour mandé asile et pour administration Biden nan mette campé un programme réintégration pour haïtiens yo déportés en Haïti yo. Sénateur a dressé un tableau macaron de situation politique et sociale dans le pays d'Haïti. Une situation qui vient empirer avec l'assassinat de ce président Jovenel Moïse. Ça qui vient plonger le pays en crise. Puis font toujours d'après sénateur américain Sayo. Côté non-premier ministre Ariel Henry, cité comme une monde qui a participé dans le complot pour tuer le président Jovenel Moïse. D'après ça qui écrit dans l'Etlan, parlementaire a mandé pour pays États-Unis nommé sans perditant. Yon lot envoyé spécial sous dossier haïtien pour administration Biden nan aide haïtien yo entamer un dialogue en politique entre société civile ak acteurs politiques yo. Effectivement, et que autorité américaine yo, administration Biden nan nommé yon lot envoyé spécial pour Haïti. Ouais, Joe Biden a parlé pour voir un nouveau hémisphère dans le pays d'Haïti. C'est Usra Zeya qui c'est sous secrétaire d'État sécurité civile pour démocratie ak droit moun. Sorti 12 pour arriver 16 octobre, Usra doit rencontrer plusieurs acteurs parmi le premier ministre Ariel Henry pour joindre route pour un dialogue inclusif national. N'a regardé toujours avec question situation autorité américaine face avec Haïti gain OPC Office de protection citoyen organisme étatique mais qui indépendant et pour cap défendre question droit monde surtout haïtien yo compatriotes nous yo ni encourager avec autorité haïtienne pour capable dire un mot pour éviter que déclaration Donald Trump là li inciter ça rele en pile problème là haïtien côté c'est le président américain qui fait connaître eh bien majorité eh bien tout haïtien qui en bas pour exercer ça même là c'est des monde qui gagne maladie et quatre lettres là bon qui gagne sida permettre qu'on dit ça et qui vient pimper qui vient bas américain l'autre bord des paroles de notre et n'a pas rappelé de notre qui était déjà traité haïtien yo et latrine hein tout latrine tout bah senti merde ça veut dire de notre qui les mêmes parce qu'on fait des déclarations et compte surtout haïtien mais OPC qui demandait avec autorité haïtienne autorité par bon situation surtout et ambassadeur Haïti dans les États-Unis pour capable prononcer rapidement sur ça. Office de protection citoyen qualifié raciste et discriminatoire propos ça que l'ancien président américain Donald Trump lui-même fait dans une interview libre avec Fox News Network jeudi qui était 7 octobre dernier. Eh bien, dans point ça, on peut s'écouer, il faut que l'autorité haïtienne nous dise un mot pour permettre que pour yo et dire avec Donald Trump, un salab dit là, il n'y a pas de place. Et d'après ça, on peut se dire.